Redorer la dignité des Gabonais, l'engagement avait été pris depuis le 30 août 2023. Cette promesse est un motif de fierté pour ce peuple à chaque fois que le président de la République pose un acte visant l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. À l'hôtel de ville, le chef de l'État vient lutter contre l'insalubrité en octroyant aux municipalités de l'estuaire et de l'intérieur du pays 6000 bacs à ordures d'une capacité de 660 litres et de 360 litres, ainsi qu'une trentaine de camions bennes dans le but d'assainir l'environnement. L'OCTRI a décidé de lutter contre l'insalubrité. Aussi, il met à la disposition des délégations spéciales de Libreville et des villes de l'intérieur du pays 30 camions bennes qui permettront aux agents municipaux de remplir efficacement leur mission de nettoyage des espaces publics communs. À cette dotation des moyens roulants, il faut ajouter 6000 bacs à ordures qui seront déployés dans Libreville et toutes les autres provinces. Messieurs les délégués spéciaux, il vous revient de trouver des mécanismes de ramassage efficaces et de faire un bon usage de ce matériel. Au perron de l'hôtel de ville, le président de la République est revenu sur une valeur essentielle, l'importance du travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, car il permet une meilleure insertion sociale et un développement inclusif, harmonieux. Travailler dans la gestion des ordures ou dans d'autres métiers manuels n'a absolument rien de dévalorisant. Changeons de mentalité. Je veux des Gabonais décomplexés. N'ayez pas honte de ces métiers manuels, car ils sont essentiels. Ils sont indispensables et ils sont créateurs d'emplois. Profitant de la présence du chef de l'État, le personnel de la mairie de Libreville a sollicité l'intervention du général Brice Clotaire au Liguinguema dans la révision de la grille indiciaire. Le président de la transition a aussitôt transmis ce dossier au gouvernement pour étude afin de redéfinir un nouveau régime de rémunération des agents municipaux.